Hop, hop. Alors que vous voyez que, enfin vous verrez, hop, et c'est Johnstone qui est venu aider, attention, il est pris par Odebert, spinning, faute au sol, conserver le ballon au sol, avantage en cours récupéré par Seignot et Nalaga, qui va aller inscrire le premier essai du match. Alors qu'on se frite là au milieu, petite explication de texte au milieu du terrain, en tout cas, Napo Nalaga inscrit le premier essai du match. Son 14e essai cette saison aux Fidjiens. Et sur ce ballon éjecté par Johnstone pour venir soulager un petit peu Spenning, mais Spenning qui a pris immédiatement la pression. Et le jeu a pu se déployer avec Seignot. C'est pas facile de se mettre en position d'ouvreur d'une équipe, de devenir le patron. Et là, bah, écoutez, on n'était pas assez nombreux. Et puis en fait, il ne fallait pas les jouer dans cette zone de jeu. C'était trop risqué, alors que sur le coup de pied, c'est vrai, on avait vu sur la mêlée que Russell n'était plus en position d'ouvreur, il était en position déliée, côté fermé, au cas où Spedding justement joue au pied. C'est peut-être ce qui a intimidé Spedding, qui n'a pas voulu jouer au pied et qui a préféré envoyer le ballon vers le large. Et là, de toute façon, l'arbitre a parfaitement laissé jouer la règle de l'avantage au sol et la récupération de Domingo. Ouais, Domingo qui a arraché ce ballon pour servir Seignot, qui à son tour a servi Nalaga. Pour le premier essai du match, la transformation de Baye est passée. Et Clermont mène 7-0. Vous comprendrez côté...